Et salut à tous, c'est Tanaka, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 7 de mon Let's Play sur Attack on Titan Wings of Freedom sur PlayStation 4. Et je crois qu'on va contrôler Armin, j'espère. Donc les choses sérieuses commencent, oui. Parce que effectivement j'ai mis beaucoup de temps à tuer les titans lors de l'épisode précédent. Il va falloir arranger ça tout de suite. Donc cette fois on va contrôler Armin. Alors, Reiner, qu'est-ce que t'as à me dire? Nous partons enfin en expédition au-delà des murs. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ferai mon devoir. Oh, Reiner, tu es si calme, je suis impressionné. Moi, je me sens paralysé par la peur. Je me sens nerveux à ma façon. Et depuis que j'ai rejoint le bataillon d'exploration, je fais juste ce que je peux. Ouais, on gère sa frayeur comme on peut. Nous prenons enfin part à une véritable expédition. Je préfère la formation d'exploration à longue distance, les yeux fermés. Ouais, je dois faire attention à ne pas rater la formation par inadvertance. Ça fait des mois qu'on s'y entraîne. Arrête de t'inquiéter pour rien, Ramin. Ouais. T'inquiète, ça va aller. Ah, je croyais que c'était Bertolt. Surtout fais attention à ne pas perdre ton cheval, quoi qu'il arrive. Essaye de fuir un titan à pied, tu verras ce qui arrive. Compris. Je suppose que si jamais je perdais mon cheval, il suffirait que je suive pour le faire revenir, non? Ouais, tout à fait. Raison de plus pour tout faire pour que ton cheval t'aime. Ah. C'est bon à savoir. En allant de l'autre côté des murs, nous entrons dans le territoire des titans. Être explorateur, c'est savoir surmonter cette peur. Oui, chef. Bonne réponse. Mais ne fais pas l'idiot, le bleu. La priorité est de revenir vivant. Ouais, parce que les pertes humaines côté bataillon d'exploration sont énormes. C'est connu. Alors, c'est quoi le nouveau cheval qu'ils m'ont promis avant? Oh, il coûte 10 000 celui-là. Oh, ça fait mal, ça. Il coûte 10 000. Bon, l'autre est très bien. L'autre est très très bien. Mais est-ce que je peux faire une autre arme? Parce que je galère un peu avec mon équipement, là. Le Tiger 02. Oh, je peux faire le Tiger 02. C'est parfait. Voilà. Le Tiger 03, il faut du bois de qualité supérieure que je n'ai pas. Ils ont des nouveaux développements ou pas? Non, ils n'ont pas de nouveaux développements. Amélioration d'équipement. Non, je ne peux pas l'améliorer. Et de plus, ok, je ne peux rien faire de plus. On renforce. Je pense que je ferai des renforcements, mais hors caméra. Il n'y a pas de raison de paniquer, parce que c'est une expédition. L'important, c'est de rester calme et de faire comme à l'entraînement. Oui, chef. Les escouades d'avant-garde progressent vite. Nous n'avons pas tardé à bouger, nous aussi. Prêt? Je suis prêt. Très bien. Follow me. Ok. Alors, théorie échafaudée par le commandant Erwin. L'utilisation de cette formation a considérablement augmenté le taux de survie à l'extérieur des murs. Son objectif est d'éviter tout contact et ainsi tout combat avec les titans grâce à une sorte de radar. Cette formation permet à Erwin, placé en son centre, d'en apprendre plus et rapidement sur la position des titans et éventuellement de changer de chemin afin de guider son groupe en toute sécurité. Je suis... Bah, la formation d'exploration à longue distance, bien sûr. Non, pas la mer Noire, non. Allez, c'est parti. C'est génial, on dirait une flèche qui progresse cette formation. Oh mais le son qui a giclé, on aurait dit qu'il avait buté un titan dans sa langue. Oh purée. Ah là 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 là, Oru, t'es vraiment balèze. Allez, galopons à travers les plaines. À toutes. Ok. Oh purée de purée. Oh
Aïe, 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 qui m'a écrasé? Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai que je peux pas faire les attaques en chaîne avec Armin. Voilà. Aïe 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 voilà. Allez, butez-le. Voilà. Voilà. Deux titans sont apparus. Oh là, je suis encerclé. Je suis encerclé. Oh, purée de purée. Aïe aïe aïe. Ok, sa jambe. Moi, je m'occupe de sa tête. Voilà. Ils sont où les autres titans là? Ils sont là-bas. C'est vrai qu'on peut pas faire des manœuvres tridimensionnelles à travers les plaines. Voilà. Ok, n'oublie pas que tu as des gens à tes ordres. Bien joué. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai. Bang. Voilà. Sont pétés. Non, 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 non. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Ok. Là, tu m'as saoulé. Ok, toujours pas soumis. Voilà. Voilà. Mon cheval.
Il est où la formation? Hein? Quoi? 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 Mais j'ai pas fini la mission. Je crois qu'il y a un personnage important qui va apparaître. Voilà! Je me rappelais bien qu'il y avait un certain titan féminin qui allait arriver. Bah oh, le titan féminin déconne pas. C'est Marie-Josée Pérec. Ouh, Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, non, 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 non. Ouh. Je crois qu'elle a essayé de te buter là. Elle a essayé de te buter. Ah oui. Hein? Non, c'est pas toi que je cherche. Allez. Je retourne à la faire un peu d'athlée. Je me sens sale. Allez Hermine, ressaisis-toi. On va poursuivre Marie-Josée Pérec, même si elle est blonde. Allez, Marie-Jo. Donc, je vais devoir attaquer le titan féminin. Oh, purée, ça va être balèze. Oh là là. Oh, la vie qu'elle possède. Va falloir lui défendre. Oh, purée. Faut pas se faire attraper. Oh, les coups de pied. Détruisez la position de titan féminin et arrêtez-les. D'accord. Certains titans ont la capacité de renforcer certaines parties du corps. Les parties renforcées ne peuvent pas être endommagées directement. Pour les affaiblir, il faut attaquer d'autres parties. Ouais, c'est comme les grands titans, quoi. Allez, défoncez-lui la jambe. Wouh ! Voilà. Titan a cessé de bouger. Et toi, là ? Toi, tu m'as saoulé. Présence d'un signal de fumée confirmé. Ok, le titan a cessé de bouger. Je me casse. Je veux pas voir l'affronter. Tiens, il y a un signal de fumée plutôt par là-bas. Prends les chevals, là. Sprint. Il y a tout ça à soumettre. Voilà, celui-là, c'est bon. Ok. Yéhé. Hein? Ah, je crois que c'était le titan féminin qui était revenu. Oh, cher. Oh, merde. Merde, le titan féminin est de retour. Marie-Jo Pérec, fous-moi la paix. Allez, on va aller... Empêcher le titan féminin de bouger jusqu'à la fin du temps imparti. Attention, le titan féminin s'approche de la cible. Il est où le titan féminin? Où est le titan féminin? Là-bas? Oh, purée. Marie-Jo Pérec. Il
falloir aller démarrer Joseph avec. Oh, purée, j'ai niqué l'endurance de mon cheval. Wouah, le coup de pied. Ok. Bon, elle devient relou, la Marie-Josée Pérec, là. Oh. Bah, Armin! Armin! Wow! Aïe. Où je suis? Où je suis? Allez, attaquer sa jambe. Oh, purée. Qu'est-ce que c'est que ce titan? Ah, je suis dans le mal. Jean a péri. Oh non! Oh non! Oh non, non, non! Dis pas que j'ai raté. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible! Bon! Ok. Où est Marie-Josée Pérec? On a une meuf à buter. Tiens, donne-moi une lame. Ah, oh, je peux pas prendre de lame. J'ai pas besoin de l'échanger. Temps féminin a commencé à se battre dans le village en ruine. Ok. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sauver la personne là-bas. Oh, le cheval a pu sauter tout ça. Ok. Hop là. Ah oh. Tiens. Bon, elle est où Marie-Josée Pérec là? Mon cheval! Ah purée, elle est là-bas Marie-Josée Pérec. Fais-moi la paix. Voilà. Ok, bon, on va aller s'occuper de Marie-Josée Pérec. Tiens, est-ce que je peux utiliser le canon pour la défoncer? Oh, purée de purée! Où est-elle? Ouah! Mais c'est quoi ce canon? J'ai même pas le temps de la viser! Ok, je pense que pour ses jambes. Voilà, plus de jambes. Est-ce que je peux m'occuper? Oh. Ce titan fait vraiment mal.
Ouf. Comment j'ai esquivé le coup de pied. Ouf. Non, non. Par contre, je vais finir par mourir si ça continue. Ok. Wow. J'ai plus de gaz. Eh oh. Marie-Jo. Marie-Jo, tu te calmes. Faut que j'aille aider l'autre aussi là. On va finir par m'arracher les bras. Non, il va mourir! Oh, c'est pas vrai! Bon, c'est l'explorateur, on s'en fout. Je croyais que c'était Jean. On s'en fout, le titan. Où est mon cheval? Ok, Marie-Jo. Marie-Jo, ça devient relou là. Ah, purée. S'occuper de Marie-Jo. Mais je... Wouah ! Purée, mais elle a des attaques, c'est un truc de dingue. Voilà. Comment tu veux te boucher les oreilles alors que t'as pas de bras ?
Tac. Voilà. Ouh. J'ai réussi à la stopper. Allez, barre-toi, Marie-Jo. A, A, S. Parfait. J'ai un peu court-circuité la mission, mais c'est pas grave. Toujours prêt. C'est quoi cette compétence? Augmente le nombre d'objets qui peuvent être amenés sur le champ de bataille. Cool! Très bien, très bien. C'est... Zin. Bien. Oh, ce titan féminin. Enfin, on l'affronte. Reina Braun, diplômé. Je serai Mikasa. Passe pour pouvoir retourner sa vie Nathan avec Bertolt. Zin. Ouais. On a réussi. Cela dit, on l'a échappé belle. Ouais. T'as pas... Enfin, ça a été compliqué. J'étais toujours caché à Eren et je trouvais ça répugnant. Mais en même temps, je savais que tu avais ce qu'il fallait. Hein? Merci. Mais vous trouviez ça répugnant? C'est vraiment pas gentil. Eh, de toute façon, tu as survécu à l'attaque de ce truc. Tu devrais être heureux d'être toujours en vie. Ouais, mais bon, c'était pas vraiment un compliment ce que tu m'as dit, mec. Tiens, je vais acheter le cheval. Non. Voilà. J'ai vidé les caisses. Non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Retour. Voilà. Par contre, je ne l'ai pas équipé. Changer tenue, équipement. Cheval de guerre. Bleu. Voilà. Changer de tenue. Petite exploration. Ok, donc c'est juste ça les nouvelles tenues en fait. Ok. Bien, bien, bien. Allez, on lance la prochaine mission tout de suite. Je ne sais pas comment, mais on a réussi à ne pas se faire tuer. Alors Armin, tu crois qu'Eren est en arrière-centre de la formation? Oui, ils l'ont probablement mis dans l'endroit le plus sûr. Du coup, l'arrière-centre est ce qu'il y a de plus logique. Je vois. Je me demande comment ça se passe là-bas. Pour le moment, retournons à la formation. Ça me va, dépêchons-nous. Eren, j'espère que tu es en sécurité. J'espère aussi. Je l'espère aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il se mord la langue. Il va falloir qu'il arrête le Oruo. Ok. Ok. Ah, y a pas le choix. Oh, fumée noire. Ça veut dire que... Oh, je vais contrôler Rivaï. Ah, c'est le titan féminin. Enfin, je crois. Non. Ok. Donc je contrôle Levi Heicho. Tiens, t'es qui toi? Eh, reste tranquille. Heicho, Shijiro. やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけか。 そうじゃなかったはずだ。この班の使命は、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。
Voilà. 31-36. Ouh. Allez, attaquez-moi sa nuque. 4609. Eh, hey, je commence à vraiment leur faire mal. Donc faut que je crée un itinéraire. Oh merde, il y a le titan féminin. Voilà. Bon, par contre, le titan féminin là, je vais devoir me la faire. Hein. Marie-Jo Pérec, Reine a cessé d'avancer. Oh, mais tu me saoules! Schlack! Voilà! Où est le titan féminin? Ah, il est là-bas. Ouais. Merde. Erin est en danger. Laisse Eren tranquille. Voilà. Bon, où est ce titan féminin? Déjà, il va falloir l'empêcher de bouger. Slack. Allez, Marie-Jo. Voilà, plus de jambe gauche. Féminin me saoule. Voilà, défaite du titan féminin. Je pense qu'on va être tranquille un petit bout de temps. Allez, c'est parti.
On va aller rejoindre les autres là-bas. Escorter Eren vers l'objectif tout en battant en retraite. Titan féminin, vous pouvez poursuivre votre route. Quoi? Non! Mais c'est pas vrai, arrêtez de vous faire attraper! Tiens! Voilà. Voilà. Ok. Rien n'a cessé d'avancer encore. Mais c'est pas vrai, mais il y a combien de titans ici? Voilà. Ça devient relou. Voilà. Lui, il est mort. Eren a continué d'avancer. J'espère que c'est le cas. Eren est à nouveau en mouvement. Mais Eren va cesser d'avancer encore. Quoi, ça y est? Réussi? Ah d'accord. D'accord, très bien. Ah, ça va être le fameux passage triste. C'est pas la bonne traduction. Normalement, il dit « décide-toi rapidement ». Ouf. On dirait moi quand j'éclate des moustiques en été. Allez, Marie-Jo. Allez, on se dépêche d'avancer. Ah. Vous l'avez attiré au bon endroit. Paf, 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 paf. Piégé. Bah oui, il y a forcément un humain là-dedans, vu l'intelligence qu'il a, ce titan. Arrête de parler comme ça, tu vas te mordre la langue encore. Le titan féminin semble avoir arrêté de bouger. On dirait, oui. Mais il faut rester prudent. En tout cas, bravo. Tu as réussi à l'amener jusqu'ici. Et pourquoi je lis alors qu'ils sont en train de parler? N'importe quoi. あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ。彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴とは会える。中で証言漏らしてねえといいんだが。 S B. Oh ouais, c'est vrai que j'ai fait la mission un peu trop rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il va y niveau 5. Des nouveaux matériaux. Ah, super. Ok. Acier niveau A, c'est bon ça. Cristal de titan brillant. Ouais. Ça, ça doit être grâce au titan féminin. Merci Marie-Jo. Allez, faisons la mission suivante.
forêt des arbres géants, groupe d'arbres gigantesques que l'on trouve à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des murs. Situés dans des zones spécifiques, ces arbres peuvent atteindre jusqu'à 80 mètres de haut. Personne ne sait vraiment pourquoi ces arbres aussi imposants existent, mais certains pensent que cela est dû à la géologie locale. Avant la chute du mur Maria, les humains les avaient transformés en destination touristique. Le bataillon d'exploration les utilise durant les expéditions comme des avant-postes où ils peuvent se cacher des titans. Ça ressemble plutôt à des gros séquoias. J'espère qu'Irene est sain et sauf. Oui, il est sain et sauf. Je croyais qu'on avait eu pour ordre de nous retirer. La formation a probablement perdu toute cohésion à cause de ces titans qui dévastent tout. Est-ce que l'escouade de commandement pense que l'opération est toujours viable? Même si c'est le cas, leurs ordres sont bizarres. Ah oui, mais on est à la lisière de la forêt. Ah, je sais ce qui va se passer. Bon, c'est quoi le matos que j'ai gagné? Acier léger... Acier léger... Ja, DG. Pardon. Du bois, ok... Purée, ça coûte cher! Comment le bois peut coûter aussi cher alors que du bois, bah, il y en a partout. Bon, au moins, c'est pas du bois qui va se transformer en agenda Jerem Star, mais voilà. Pourquoi sommes-nous dans un lieu touristique? J'ai l'impression qu'on est loin de notre destination d'origine. Je ne sais pas. Mais ce sont les ordres du commandant Arwin. Ça fait sûrement partie de son plan. C'est quoi ce petit plan? Il a l'intention d'organiser une fête de bienvenue pour les bleus ici? Non. Nous ne savons pas ce qu'il en est, mais nous avons des ordres. Alors suivons-les, d'accord? Jean n'a pas l'air d'apprécier les ordres de l'escouade de commandement. Mais nous ne pouvons pas faire à notre guise. De plus, il doit y avoir un objectif plus important derrière les ordres, bien sûr. Nous allons maintenant patienter derrière les arbres nos lames dégainées. Nous devons empêcher tout titan de pénétrer dans la forêt. Hein? Qu'est-ce que... Tais-toi, suis les ordres et prépare-toi à te battre à tout moment. Oui, chef. Surveille bien les alentours. Ouais, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il se passe un autre truc. Juste des inconnus, vivre dans la forêt, en tant que chasseuse, mais ne sait pas vraiment travailler en groupe. Pour une raison inconnue, elle part toujours de façon très polie, même à ses camarades de promotion. Elle a un amour démesuré pour la nourriture. En effet, rien ne semble pouvoir se mettre en travers de son chemin lorsqu'on part de la nourriture, pas même les règlements militaires. Ouais, effectivement. Au suivant. Il a une bonne raison.森に入る巨人を食い止めろだと?目的も何も分かりゃしん。ジョン、それじゃあどうするの?どうするったそりゃ、命令に従う。巨人を森に入れない。お前も、そうするべきだと思うんだろ?アルミ。何やら分け知り顔だが。作戦の本当の目的が何であれ? 団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方。Non, justement。余計な死人を増やすだけだろうが。いや。団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。Ouais。Parce que si ça se trouve, il y a un traître parmi vous. 大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には、何も変えることはできない。前方より巨人接近。ああ、mais il y en a beaucoup。行くぞ、アルミ。巨人接近。Oh putain, il y en a combien? Attends, il faut que je les recrute. Ok, Jean, il est avec moi. Ok. Ok, venez avec moi. Allez. Premier titan. Oh merde. Ah
Allez. Schlack. Voilà, soumission terminée. Viens mon cheval. Attends, il y a un titan ici. Ah oui, il y a un titan ici. J'ai même pas vu combien de dégâts j'ai fait. Bon, je pense qu'on est bon ici. On va aller sauver Krista. Ah, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à choisir ma cible. Voilà. Elle est où, Krista? Krista. Ah, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Soyez. On va aller sauver Sacha du Bourg-Palette. Oh purée, ils sont combien là-bas? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut aller sauver Ymiru.
On a 2 minutes pour ça. Oh, mais ils sont combien? Ils sont combien, les mecs? Allez, c'est l'heure de défoncer tout le monde. Allez. Voilà. Normalement, je pense que c'est bon. On va aller déconner. Oh purée, mais il y a combien de titans, bordel. Allez, je crois qu'il y a un autre signal de fumée là-bas. On va aller sauver Mikasa, en tout cas ça. Ils sont combien là-bas? Là, je peux m'en occuper. Voilà, celui-là, il est tombé. Hop. Un autre ici. Ok, celui-là est mort. C'est vous. Quand il y a un titan ici. Allez. Swing. Voilà, soumission terminée. Par contre, il y a un certain Reiner qui a besoin d'autre aide un peu plus loin. Allez, cheval.
combien là? Oh, y a tout ça. Voilà. Quoi? Veux-tu bien m'épouser? Mais te garde la pêche, mon gars. Empêcher les titans d'entrer dans la forêt purée. 1 minute 30. Et à Bertolt qui est encore mal en point. On va aller le chercher. Putain, il est loin. Bien trop loin. Oula, oula, cheval, qu'est-ce que tu fais? Il reste 1 minute. Je ne m'occupe pas de toi. Je m'occupe plutôt de ceux qui sont en train d'attaquer mon Bertolt. Enfin, mon Bertolt, en toute amitié, évidemment. Putain, mais vous savez attaquer une nuque ou c'est comment? Voilà! Mission réussie, super! Maintenant, c'est l'heure de retourner à la forêt. Allez, cheval! Allez, cheval, allez, cheval. Les titans n'ont pas pu entrer dans la forêt. Cool. Par contre, il y en a une qui s'est fait défoncer, là. Oula. Hein? Putain, ils sont où, les mecs? Ils sont où, les mecs? Evian les bains représente. Allez. Jambes. Aïe aïe aïe. Voilà. Oh purée de purée. Allez. Super Saiyajin Modo activé. Oula. Tiens, ils ont été violents. Là-bas. Voilà, on va pouvoir attaquer ta nuque maintenant.
Voilà. Oh. Le titan féminin a hurlé. Bah alors, Marie-Jo, t'as pas eu la médaille, c'est pour ça que t'es pas contente? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Regardez ce qui arrive. Il parle pas, ce titan. Schlack, schlack. Deux d'un coup. Ah, c'est Marie-Jo. Schlack. Bang. Mais ce ne sera pas suffisant. Ouh. On peut dire que le plan de capture du titan féminin aura coûté un bras. Pardon. C'est ainsi que nous avons un remix de The Walking Dead dans Shingeki no Kyojin. L'autre qui tient le squelette de la jambe du titan féminin, c'est génial. S. Ah, oh non, j'ai pas soumis à cette titan, zut. J'étais bien là. Ok, Armin, toujours niveau 3. Ok, je gagne des sous. Bambou d'acier. Métal de qualité supérieure. Ok. Et je pense que l'on va s'arrêter là. Parce que ça fait une heure. Voilà, voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager, parlez-en autour de vous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir les gens.